Bueno, creo que está como un poquito caída la página de Ciudad Bilingüe. Por acá estaba mirando, entonces posiblemente lleguen un poquito tarde las demás personas. Bueno, vamos entonces a empezar con un tema nuevo. El día de hoy vamos a ver un poco más de vocabulario. Je vais partager l'écran. Voy a compartir acá la pantalla. Me avisan, por favor, que estemos viendo el PDF. ¿Oui? Les animaux. ¿Oui? Bon, très bien. Alors, aujourd'hui, on verra le vocabulaire des animaux. ¿Oui? El día de hoy vamos a ver el vocabulario de los animales. ¿Oui? Bon. Animaux, ça c'est au pluriel. Acá está en plural. Animaux, animales. ¿Sí? Para decir un solo animal, yo digo animal, como al español. ¿Oui? Como al español. Animales, animaux. Esto se pronuncia como una O. Animaux. ¿Sí? Animaux. Les animaux. Recordemos que acá hacemos un pequeño puente entre la S y la A. Les animaux. Les animaux. Alors, on va commencer avec le vocabulaire. Ici, on a. Et ça, c'est bien l'image ou c'est très petite? C'est bien? Oui, c'est bien l'image. Bon, on va commencer alors. Our, our, ça c'est oso, our, oso. Chameau, chameau, chameau. Camello, oui, chameau. Recordemos, esto se pronuncia como una O, estas tres letras. Chameau, chameau. Crave, crave. Cangrejo, crabe. Crocodile, crocodile. Cocodrilo. Corneille, corneille. Ça, c'est comme cuervo, oui, corneille. On continue. Cerf, cerf. Et c'est comme ciervo, oui, cerf. On continue. Léon, léon. Aigle, aigle. Léon, aigle. Éléphant, éléphant. Renard, renard. Zorro, renard. Grenouille, grenouille. Rana, grenouille. Chèvre, chèvre, cabra, chèvre. Et on continue. Ici, on a kangourou, kangourou, koala, pouple, pouple. On a autruche, autruche, avestruz, oui, autruche. Chouette, 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 ça c'est beau, chouette. On a panda, panda, perroquet, perroquet, loro, oui. Pingouin, 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 pigeon, pigeon, raton, raton. On a requin, requin, tiburón, requin, chenille, chenille, oruga, chenille. On continue. Et bonsoir, Rodrigo, ça va? On continue ici. Cygne, cygne, cisne. Baleine, baleine, zèbre,
Sèvre. Vet avant Dieu. Vet avant Dieu, ce qui quiere decir mariquita. Oui, vet avant Dieu. De hecho, la palabra vet solita quiere decir bestia. Vet solita quiere decir bestia. Pero si ya está con toda esta estructura, ya pasa a ser mariquita. Vet avant Dieu. Vet avant Dieu. Et finalement, on a les chauves-souris. Les chauves-souris. Chauves-souris et murciélago. Oui, chauves-souris. Alors, et je vais répéter un peu plus rapide. On va répéter la calos. Les animaux sont un peu déjà plus rapides. Pour les personnes qui sont arrivées en retard, et aujourd'hui, on va voir les animaux para las personas que han llegado después de la clase. Vamos a ver el día de hoy el vocabulario relacionado a los animales. ¿Oui? Alors, les animaux. Je vais répéter ici le vocabulaire. Je vais mettre ici un peu plus grande. Alors, on a ours, ours, chameau, crave, crocodile, corneille, cerf, lion, aigle, éléphant, renard, grenouille, chèvre, kangourou, koala, boucle, autruche, chouette, panda, perroquet, pingouin, pigeon, raton, rican, chenille, cygne, baleine, zèbre, vet avant Dieu, chauve-souris. Oui, ce sont la plupart des animaux. On va continuer avec. Ici, on a en ligne. Je vais vous partager. Voy a compartirles acá el link siguiente, que es con el que vamos a trabajar, por si después lo quieren volver a ver y practicar un poco. Bueno, en el siguiente link, es una página, es muy útil, se llama Francés Fácil, ¿sí? Francés Fácil. Y en esta página vamos a ver ya los animales clasificados por su, como por su ambiente y por su entorno. ¿Sí? Alors, premièrement, on a les animaux. Les animaux. Bueno, estamos viendo el link, ¿sí? La página web. Bueno, très bien. Alors, on a les animaux. Oui? On va commencer avec les animaux domestiques. Les animaux domestiques. Los animales domésticos, oui, les animaux domestiques. On a loup, chien, loup, chien, loup, chat, loup, hamster, aïe. Loup, lapin, lapin, oui. Loup, poisson, dans ce cas, loup poisson rouge, esto quiere decir el pez dorado, ¿sí? Aunque rouge es la palabra rojo, ¿sí? Es el color rojo. Cuando tenemos toda esta estructura, poisson rouge hace referencia al pez dorado, es un tipo de pez, ¿sí? Pez dorado. Alors, on continue. Bon, ce sont les animaux domestiques, ¿oui? Les animaux domestiques. Loup chien, loup chat, loup hamster, loup lapin, loup poisson rouge. On va continuer avec les animaux de la banquise. Les animaux de la banquise. Oui. Alors, ici, on a. Ay, moment. Bueno, banquise hace referencia al hielo marino. ¿Sí? Hielo. Los animales de este entorno. Les animaux de la banquise. Loup pingouin, lure polaire, loup morse, loup phoque,
Et c'est fini. Alors, je vais répéter. Les animaux de la banquise. Le pingouin, l'ours polaire, le morse, le phoque. Oui. On va continuer avec les animaux de la savane. Les animaux de la savane. On a l'éléphant, la girafe, le singe, le crocodile, le tigre, le lion, le rhinocéros, et le zèbre, oui. Banquise, ça c'est hielo marino. Banquise, hielo marino. Sí, esa es la traducción en nuestro idioma. Bueno, je vais répéter. Les animaux de la savane. L'éléphant, la girafe, le singe, le crocodile, le tigre, le lion, le rhinocéros, le zèbre. Avec plaisir. Bon, je vais continuer avec les animaux de la ferme. Qu'est-ce que tu penses que c'est ferme? Qu'est-ce que c'est ferme en espagnol? Comment dit-on ferme en espagnol? Oui, très bien, Israël. Granja. Granja, oui. Alors, les animaux de la ferme. Los animales de la granja. On a le cochon, la vache, le cheval, le canard, la poule, le coq, la chèvre, le mouton, Je vais répéter. Les animaux de la ferme. Le cochon, la vache, le cheval, le canard, la poule, le coq, la chèvre, le mouton. Et c'est fini. Oui. Alors, maintenant, je vais continuer avec les animaux aquatiques. La raie. Qu'est-ce que tu penses que c'est la raie? Comment dit-on raie en espagnol? Raie. Oui, très bien, Laura, Angie. Et la raja. Oui, la raie. On continue. La tortue. Le dauphin, la baleine, le requin, la méduse, l'orque, oui. Alors, je vais répéter. La raie, la tortue, le dauphin, la baleine, le requin, la méduse, l'orque. Bon, maintenant, je vais continuer avec les animaux de la forêt. Acá nous prononçons la T finale, ¿sí? Forêt. Qu'est-ce que tu penses que c'est, qui sont les animaux de la forêt? Je vais vous montrer les images, et ustedes van a decir entonces, quelle est la signification de forêt? Qu'est-ce que c'est forêt à l'espagnol? Selon les images, de acuerdo a las imágenes, que vendría siendo forêt? Très bien, Alfredo, Israël.
Ça c'est bosque. Alors, je continue. Le renard, le renard. Et zorro, oui. Le renard. L'oiseau, l'oiseau. L'oiseau. Et, bueno, acá, la prononciation de pájaro, la palabra pájaro, es muy particular. ¿Por qué? Tenemos combinación de la letra O, I. O, I. ¿Sí? Esto es, se pronunciaría UA. ¿Sí? UA. UASO. Estas últimas tres letras se pronuncian como una O. Alors, l'oiseau. Oiseau. Ça serait oiseau. Oui. L'oiseau et le pájaro. Je continue. Le sanglier. Le sanglier. Le sanglier. L'ours. L'ours. Le loup. Le loup. Le cerf. Le cerf. Le faon, le faon. Le hérisson, le hérisson. Avant, et c'est fini. Je vais répéter. Le renard, l'oiseau, le sanglier, l'heure, le loup, le cerf, le faon, le hérisson. Et finalement, on a les petites bêtes. Les petites bêtes. Ici, les petites bêtes. Bête, la palabra sola. Bête quiere decir bestias. Bestias. Y acá tenemos el adjetivo petite, que quiere decir pequeñas, las pequeñas bestias. Pero obviamente, si las traducimos a nuestro idioma, esto viene siendo los insectos. ¿Sí? Petites bêtes, los insectos. Les petites bêtes. On a l'araignée, l'araignée. On a le moustique, la coccinelle, le criquet, la limace. La limace, c'est la babosa, oui. La limace. L'escargot, l'escargot. Et la sauterelle, la sauterelle, la sauterelle. Alors, je vais répéter. Les petites bêtes, les petites bêtes. L'araignée. Le moustique, la coccinelle, le criquet, la limace, l'escargot, la sauterelle. Oui. Bon. Ici, ce sont les animaux classifiés dans leur ambiance. Estos son ya los animales clasificados en su ambiente, así como en sus diferentes lugares, oui. Alors, maintenant, on va faire un exercice. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Je vais vous partager le lien. Les voy a compartir acá el link. Alors, un moment, s'il vous plaît. Ici. Bueno, acá les compartí ya el link del siguiente ejercicio. En el chat, ¿sí? Me avisan, por favor, si estamos viendo la página web, ¿sí? La web page. Se hace blue, esta azulita, ¿sí? Bueno, muy bien. Alors, on a des images, ¿sí? Tenemos unas imágenes. On va choisir le nom qui convient. Alors, je vais mettre ça un peu plus grand. Oui, de más pequeño. Ici, c'est bien. Alors, vous allez voir les images.
Entonces van a ver las imágenes y acá vamos a seleccionar o va a seleccionar le nom correct. Alors, image numéro 1. Quelle est l'option correcte? Très bien. Ça, c'est chien. Chien. Loup, chien. Loup, chien. Image numéro 2. Image numéro 2. Quelle est l'option correcte? Très bien. Ça serait loup, chat. Loup, chat. Image numéro 3. Image numéro 3. Quelle est l'option correcte ou quel est le nom de l'animal? De l'animal, pardon. Très bien, Ariana. Ça, c'est loup, lapin. Loup, lapin. Image numéro 4. Image numéro 4. Quelle est l'option correcte? Très bien, Ariana, ça c'est. Bon, je sais pas, peut-être Ah, ici, les lettres sont dans les différentes positions, mais ça c'est l'oiseau. Oui, l'oiseau. On continue. Numéro 5. Numéro 5. Quelle est l'option correcte? Oui, très bien, Israël, ça c'est poisson, loup, poisson, el pez, oui. Bueno, recordemos que la palabra poisson puede significar pez o pescado, si estamos hablando de comida, pescado o pez. On continue. Ici, l'image, quelle est l'option correcte? Bien, Alfredo et Angie. La poule. La poule. Image suivante. Image siguiente. Image suivante. Très bien, Laura, ça c'est le cochon. Si, le cochon. Image suivante. Ici, l'image suivante, ça c'est loup mouton. Loup mouton. La viande. Bon, aussi la viande, ça c'est la viande, la carne. Alors, ici, ça c'est loup mouton. Loup mouton. On continue. Quelle est l'image ici? Pardon, quel est l'animal ici, selon l'image? Loup cheval. Très bien. Loup cheval. Et finalement, quel est le nom de l'animal ici? Ça, c'est la vache. La vache. Très bien, la vache. Bon, on va vérifier. Tout sont bons. Très bien. Alors, maintenant, on va continuer avec le PDF. Je vais partager l'écran ici. Bon. Alors, ici on a un exercice. Je ne sais pas si vous voyez ici le nom ou c'est très petit. Ici c'est très petit, oui. Acá ya queda muy pequeño o alcanzamos a ver. C'est petit. Bon, je vais mettre ça un peu plus grand. Ici. C'est bien? Oui?
Bon, alors, ici on va, bon, on va lire ici l'exercice. Les animaux de la ferme, oui, ce sont les animaux de la ferme. Animaux de la ferme, les animaux de la ferme. Relis les noms d'animaux aux images et aide-toi de l'exemple. Ça, c'est relationné ou en pareja. Los nombres de los animales con sus imágenes. Aide-toi, eso significa ayúdate del ejemplo, de l'exemple. Alors, on a image numéro 1, ça c'est une vache. Une vache. Alors, on va continuer. Je vais descendre un peu. Image numéro 2. Image numéro 2, quel est le nom correct pour l'image numéro 2? Très bien. Un lapin. Ça, c'est un lapin. Image numéro, et bon, ça serait la numéro 3. Image numéro 3, quelle est l'option correcte? Très bien. Une poule. Une poule. Image numéro 4. Image numéro 4. Quelle est l'option correcte? Un cochon. Très bien. Un cochon. Image numéro 5. Très bien. Ça, c'est un canard. Un canard. Un pâteau, un canard. Image suivante. Quelle est l'option correcte? Très bien, Israël, ça c'est mouton. Un mouton. Et la dernière image, ça c'est un chien. Non, il n'y a pas l'option de chien. Alors, ça c'est une chèvre. Une chèvre, oui. Una cabra, oui. Alors, je vais répéter les mots. Un canard, une chèvre, un mouton, un lapin, une poule, une vache, un cochon. On va continuer. Ici, avec cet exercice, c'est le dernier exercice. C'est l'ultime exercice de vocabulaire. Vamos a pasar a un exercice de compréhension lectora. Oui. Alors, ici on a 20 mots. Oui, tenemos 20 palabras, 20 mots. Je vais lire les mots et si vous avez des questions, vous pouvez me demander. Alors, numéro 1, chat, souris, poussin, canard, vache. Questions jusqu'ici? Numéro 5. Vache, vaca, oui. Poussin, et ça c'est pollito. Poussin, oui. Et on a souris et raton, oui, souris. Bon, on continue. Numéro 6, girafe. Numéro 7, cochon. Numéro 8, lapin. Numéro 9, ferme, ferme. Numéro 10, ur. Est-ce qu'il y a des questions de la numéro 6 jusqu'à la numéro 10? Pas de questions? Bon. Rien, merci Israël. Il y a beaucoup de mots. On continue. Alors, numéro 11, coq. Numéro 12, oie. Numéro 13, chèvre. Numéro 14, chien. Numéro 15, chemin. Chemin. Bon, oie, ça c'est gansa. Ou ganso, ok? On a chèvre, chien, chemin. Esto ya es
camino, uy, Sheman, camino. Et finalement, on a cesse, cheval, mouton, poule, dinde, tomate. Tomate. Cheval, mouton, poule, dinde, tomate. Dinde, ça c'est pau, oui. Turkey, oui. Pau. Bon. Selon les mots et selon les images, nous allons écrire et le numéro qui convient. Alors, image numéro 1. Bon, je vais me mettre ici un peu plus loin. Bueno, acá se ve muy lejos. Alcanzamos a ver bien las palabras y los dibujos. Oui, ça se vient. Pas vraiment. Bon, la chose, c'est que si je mets ici un peu plus grand, c'est difficile de voir. Ici, c'est mieux. Bueno, vamos entonces. Ahí está un poquito mejor, ¿sí? Vamos a trabajar entonces con las imágenes que alcancemos a ver y las palabras. Alors, numéro 1. Selon l'image, quel est le numéro? Quel est le numéro correct? Très bien. Numéro 7, cochon. Allez. Numéro 7, cochon. Image numéro 2. Très bien, Israël. Ça, c'est canard. Canard. Numéro 4. Canard. Image numéro 3. Très bien, ça, c'est cheval. Mais le cheval, c'est le numéro. Je ne trouve pas le cheval. Bon, 16. 16. Numéro 16. Image numéro 4. Quel est le numéro? Très bien. La numéro 13. La chèvre, numéro 13. On continue. Cette image. Quel est le numéro? Très bien. Numéro 8. Lapin. Image suivante. Ça c'est bon, c'est plutôt un chien. Oui. Ça c'est 14. Más como perrito. Oui. Chien. On continue. Image suivante. Quel est le numéro? C'est la numéro 11. Image suivante. Ça, c'est le chat. Chat. Image suivante. Ça, c'est la 17. Mouton. 17. Image suivante. Ça, c'est la 18. Poule. 18. Image suivante, ça c'est la vache, la numéro 5. Image suivante, rappelez-vous que c'est poussin. Poussin, pollito, oui, numéro 3, poussin. Ici, on a image suivante. Ça peut être un canard, oui. Alors, numéro 4, si. Et image suivante. Ah bon, on avait, teníamos, pardon, teníamos acá ganso. Entonces, ça serait numéro 12. Oui. Image suivante, ça c'est dinde, 19, dinde, pau. Et finalement, ici, ça peut, ça c'est pas un animal. C'est la ferme, numéro 9, ferme.
Granja, oui, ferme. Bueno, très bien. On a fini déjà el vocabulario. Hemos terminado entonces el vocabulario. Vamos a ver una lectura. A ver una lectura. Et on va. Ici, on va comprendre le texte. Et on va améliorer un peu la prononciation. Alors, mon animal préféré. Mon animal préféré. Un moment, ici j'ai. Mon animal préféré. Eso quiere decir mi animal preferido. Mi animal preferido. Alors, on va lire le texte. Oui, ponerlo un poquito más grande acá. Salut, salut. Voici mon animal préféré. Esta expresión, voici, es como, quiere decir como, vean mi animal preferido. ¿Sí? Voici mon animal préféré. C'est mon chat, barba negra. C'est mon chat, barba negra. Es mi gato, barba negra. ¿Oui? Sí, también podría ser como, he aquí mi animal preferido. Merci, Israël. On continue alors. Il est grand, il est gris et blanc. Il est grand, il est gris et blanc. Elle est grande, grise et blanc. On continue. Il a le poil court, il a les yeux bleus. Il a le poil court, il a les yeux bleus. Elle tiene el pelaje, ¿sí? El pelaje corto y los ojos azules. Elle les yeux bleus. Je continue. Il a les oreilles pointues. Il a les oreilles pointues. Como puntiagudas, oui? Pointues. O puntos, oui. Je continue. Il a de longues moustaches. Il a de longues moustaches. Qu'est-ce que c'est ça, l'espagnol? De longues moustaches? Oui, très bien. Tiene la barba, las barbas largas. Bigote largo. Très bien. Je continue. Il a aussi une longue queue. Il a aussi une longue queue. Elle tiene también, aussi, quiere decir también, una cola larga. Oui. Il a aussi une longue queue. Il est très mignon, gentil et sympa. Il est très mignon, gentil et sympa. Oui, elle est muy lindo, gentil et sympathique. Il est très mignon, gentil et sympa. Je continue. Il est très comique aussi. Il est très comique aussi. Il est muy cómico también. Recordemos que este très quiere decir muy. ¿Sí? Muy cómico también. Aussi también. Je vais descendre un peu. Il adore jouer avec les pelotes de laine et se déguiser. Il adore jouer avec les pelotes de laine et se déguiser. Ça c'est, elle adora jugar con las pelotas de lana, laine, es lana, y esto es disfrazarse, ¿sí? Se déguiser, se déguiser, es el verbo disfrazarse. Oui. Très bien, Laura, con las, ahora jugar con las pelotas de lana. Y finalmente, il aime les sardines. Il aime les sardines. Moi non plus. Oui,
Las sardinas, el gatito. Ya, a mí tampoco me gustan las sardinas. Bon, alors. Je vais répéter le. Ici, le texte. Voy a repetir entonces el texte. Alors. Mon animal préféré. Salut. Voici mon animal préféré. C'est mon chat Barba Nègre. Il est grand, il est gris et blanc. Il a le poil court, il a les yeux bleus. Il a les oreilles pointues, il a de longues moustaches. Il a les pattes blanches. Il a aussi une longue queue. Il est très mignon, gentil et sympa. Il est très comique aussi. Il adore jouer avec les pelotes de laine et se déguiser. Il aime les sardines comme Israël. Ah, ok. Alors, on va continuer avec les parties du corps des animaux. Bueno, vamos a continuar acá con las partes del cuerpo de los animales. Oui. Alors, on a un chien ici. On a un chien, un perrito. Et ça, c'est le corps. Corps, el cuerpo. ¿Sí? Le corps. Alors, la queue, la cola, oui, la queue. Les poils, el pelaje, o en este caso como los pelos, pero sería mejor traducirlo como el pelaje, ¿sí? L'oreille, la oreja, la tête, la cabeza, le museau, esto quiere decir el hocico, oui, le cou, el cuello, les griffes, las garras, las patas, oui, je vais répéter, la queue, les poils, l'oreille, la tête, le museau, le cou, les pattes, le corps. Et ça, c'est les parties du corps des animaux. Les parties du corps des animaux. Las partes del cuerpo de los animales. Oui. On a ici un oiseau. Tenemos acá un pajarito, un oiseau. Et on a le bec. Qu'est-ce que c'est le bec? Qu'est-ce que tu penses que c'est le bec à l'espagnol? Oui, très bien, ça c'est le pico. Oui, le bec. On a les plumes. Et on a l'aile. L'aile. Qu'est-ce que c'est l'aile à l'espagnol? Comment dit-on aile en espagnol? Ala. La ala. Oui. L'aile. Alors, ce sont les parties du corps d'un oiseau. Le bec, les plumes, l'aile. L'aile. Bon, on va continuer ici. Ici, on a un autre animal préféré. Allá tenemos otro animal preferido, pero ya es un ave. Oui. En este caso, voy a hacerle acá. Ay, ¿dónde está esta palabra? Perroquet. Oui. Perroquet. Perroquet, esto quiere decir como un lorito, ¿sí? Se llama Agapori. Esto es. ¿Cómo decirlo? Como la raza o la especie, ¿sí? La especie, Agapori. Alors, perroquet, que es loro, ¿sí? Loro, pero más específicamente un Agapori. Alors, on va commencer la lecture. Je vais mettre un peu plus grand ici. Bonjour. Voilà mon animal de compagnie. Voilà mon animal de compagnie. Animal de compagnie,
Esto es mascota, ¿sí? Animal de compañía. Voilà mon animal de compagnie. C'est un agaporri. Es un agaporri. Creo que se diría en español. La verdad no conozco mucho estas especies. ¿Sí? C'est comme un perroquet. C'est comme un perroquet. Es como un loro. ¿Sí? C'est comme un perroquet. Et une perruche. Et une perruche. Y una cotorra. Perruche quiere decir cotorra o perico. Perruche. Alors, il s'appelle Fari Pico. Il s'appelle Fari Pico. Elle se llama Fari Pico. Je continue. Il a les yeux grands et noirs. Il a les yeux noirs. Pardon, les yeux grands et noirs. Elle tiene los ojos grandes y negros. ¿Sí? Je continue. Son bec est vert ou beige. Ça dépend. Son bec, su pico, es verde o beige. Ça dépend quiere decir depende, ¿sí? Depende. Alors, je continue. Ses plumes sont vertes, un peu rouges. Sus plumas son verdes, un poco rojas, un peu rouges. Et les plumes de sa queue sont bleues. Et les plumes de sa queue sont bleues. Y las plumas de su cola son azules. Il a 300. Il a 300. Él tiene 3 años. ¿Sí? Il adore les pommes. Il adore les pommes. Él adora las manzanas, les oranges et la salade. La ensalada. Il est très coquin, il est très coquin, mais il n'est pas méchant. Él es muy coqueto, coquin quiere decir coqueto, pero, mais quiere decir pero, il n'est pas méchant, no es malo. Oui, méchant, méchant, malo, no es malo, il n'est pas méchant, o malvado, oui. Alors, je vais répéter la lecture. Mon animal préféré, bonjour, voilà mon animal de compagnie, c'est un agapori, c'est comme un perroquet et une perruche, il s'appelle Fairy Pico, il a les yeux ronds et noirs, son bec est vert ou beige, ça dépend, ses plumes sont vertes, un peu rouges. Et les plumes de sa queue sont bleues. Il a 300. Il adore les pommes, les oranges et la salade. Il est très coquin, mais il n'est pas méchant. Il n'est pas méchant. Oui, alors merci beaucoup à tous pour être dans la classe. Et on se voit demain. Muchas gracias a todos por la asistencia. Nos vemos el día de mañana a las 8. ¿Sí? Mañana sí vamos a trabajar un poco los verbos. ¿Sí? Mañana vamos a hacer un pequeño repaso de los verbos en presente y con el futuro próximo. Estos temas ya lo vieron con la profe Mafe, entonces vamos a hacer un pequeño repaso acá con estos verbos. ¿Sí? Mañana sí ya vemos como tal un tema gramatical, pero va a ser más que todo de repaso. Los verbos en presente y el futuro próximo, futur proche. Oui. Merci beaucoup. À demain.